Sono molto felice di avere ospite al nostro corner qui a Casalice Samuel Theis, che è il regista di Petit Nature Softie, che è in concorso ad Alice nella città. E volevo partire subito con una domanda sul fatto che questo è un film di un risveglio, di una presa di coscienza, ma che ha per protagonista un bambino. Da dove nasce questa idea? Allora, vi ringrazio già di essere qui. En concours à Alice dans la città et d'avoir pu l'occasion de vous interviewer. D'où naît l'idée d'un film, disons, de ce type? Alors, merci à vous déjà. C'est vrai que l'idée du film, je l'avais en tête déjà depuis quelques années. Avant même de faire mon premier film, Party Girl, que j'ai fait, qu'on a réalisé en 2014, il s'appuie en fait tout bêtement sur une expérience personnelle que j'ai vécue. Et j'ai fait un premier film où je mettais en scène ma famille. Et le personnage principal de ce film était joué par ma mère. C'est elle qui jouait vraiment son propre rôle. Et c'est vrai qu'en tournant le film et en essayant de la comprendre et de la raconter, j'arrêtais pas de revisiter aussi mon enfance avec elle. C'est-à-dire que Petite Nature, c'est presque le préquel de Party Girl. Et donc, dans Party Girl, j'étais dans le point de vue de la mère, justement, à un âge où elle avait déjà 60 ans. Petite Nature, c'est presque le point de vue, du coup, inverse, qui est celui aussi de ça a été quoi une enfance aussi avec cette femme. Moi, j'ai compris assez tôt, à 10 ans, que j'allais partir, que j'allais pas rester avec ma famille et que j'allais pas rester non plus dans cette région. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais jeune et pourtant j'avais cette conscience très aiguë que j'allais partir. Je me suis dit qu'en fait, c'était intéressant de parler de ça et de le raconter dans un personnage aussi jeune. Allora, per me questo film ha rappresentato quasi un sequel rispetto al primo film che ho girato, che era Party Girl nel 2014, dove invece mi focalizzavo molto sul personaggio della mamma, cioè era proprio la protagonista ed era realmente mia madre, che rappresentava, diciamo, appunto questa visione del mondo familiare dal punto di vista però dell'adulto. Invece in questo film mi volevo focalizzare proprio su questi rapporti che avevo vissuto familiari, però dal punto di vista di un bambino di 10-11 anni, e quindi per me è come una continuazione del precedente film. Comunque io ho, diciamo, tratto da un'esperienza personale, di vissuto personale, e quindi a 10-11 anni volevo proprio uscire dalla mia famiglia, uscire da quel contesto di città dove abitavo e andare via. Un aspetto che mi ha molto colpito è il fatto che tu racconti il mondo visto con gli occhi di un bambino e non il mondo dei bambini visto con gli occhi dell'adulto. Volevo capire dal punto di vista di scrittura questo come ti aveva influenzato. Allora, j'ai vu che dans le film vous représentez le monde à travers les yeux d'un enfant. Et che cosa era? Non il mondo dei bambini visto attraverso. Pas le monde des enfants à travers la vision d'un adulte. E qual era la domanda, scusami? Dal punto di vista della scrittura, questa cosa come lo ha influenzato? Du point de vue du scénario, comment ceci vous a influencé? Alors, c'est vrai que le pari du film, c'était de rester dans le point de vue, toujours, pendant tout le film, rester dans le point de vue de l'enfant. Donc ça veut dire raconter l'histoire aussi à hauteur d'enfant, et donc s'interroger aussi sur la manière dont les enfants perçoivent le monde des adultes. C'est vrai que les enfants, en vrai, sont un peu observateurs dans la vie, sont vraiment des observateurs. Et le monde des adultes, moi en tout cas quand j'étais petit, c'était un monde qui me fascinait et que j'avais envie de conquérir. Donc je passais un temps fou, par exemple, à table avec les adultes, à écouter les conversations. J'étais complètement grisé par les sujets et les obsessions des adultes. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'avais le sentiment que c'était comme un pouvoir qu'il fallait conquérir.
Et dans l'écriture, du coup, ce que ça m'a, les questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce qu'un enfant perçoit du monde des adultes, pas seulement avec ce qu'il voit, mais aussi avec ce qu'il projette, ce qu'il comprend. Le film, il est construit quand même sur un quiproquo. Cet adulte, ce professeur qui lui tend la main, lui, il est dans une intention, en fait, qui est une intention d'aider ce garçon à lui révéler son potentiel et à peut-être lui faire comprendre que l'école peut être un chemin pour lui pour s'en sortir. Mais le garçon qui le reçoit, il voit ce regard posé sur lui et il le confond avec tout un tas de choses. Du désir, de l'admiration, de l'attachement, un sentiment amoureux peut-être. Et il faut dire aussi que dans la cellule familiale dans laquelle grandit Johnny, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de père. Où les hommes qui passent sont pas, en fait, ne ressemblent pas à la figure de l'instituteur. Donc il y a presque aussi le choix, un peu, je pense, inconscient, de choisir Adamski comme un père potentiel. Allora, diciamo che quello che ho voluto rappresentare è stato ed è stato sempre il punto di vista del bambino e non guardandolo dall'alto di un adulto, ma proprio dalla stessa altezza di un bambino. E come i bambini, mi interessava, percepiscono il mondo degli adulti. Questo mondo che comunque da un certo punto di vista li affascina, li attrae, era quello che provavo io anche quando ero più piccolo. Passavo ore ad ascoltare gli adulti che parlavano ed ero affascinato dai loro dialoghi, dai loro argomenti, dal loro modo di fare. E in questo chiedermi come percepiva il bambino questo mondo degli adulti, ho voluto, diciamo, basare la sceneggiatura su un quiproquo, cioè dove c'è un'attenzione da parte del professore su questo personaggio del bambino, ma che è un'attenzione che si basa semplicemente su sviluppare delle sue potenzialità e la sua curiosità, che invece però dall'altra parte viene percepita dal bambino come un'attenzione e un innamoramento che è del tutto irreale. E quindi, ecco, mi sono basato su questa cosa qui. E anche della figura maschile che rappresenta il professore, visto che nel mondo del bambino, personaggio del mio film, non esistono figure maschili, ha voluto scegliere proprio quella come, non so, un sostitutivo di un ipotetico padre? La mia ultima domanda invece è sulla fotografia del film, perché nonostante il protagonista venga da un ambiente grigio, se vogliamo, difficile, i colori sono molto invece brillanti. Quindi come aveva lavorato con il direttore della fotografia per creare questo contrasto? Come avete lavorato con il direttore della fotografia per creare questo contrasto tra la foto del film e queste ambienze assez grigie, assez sombre, assez... disons, si inquiétante. Alors, c'est vrai qu'avec Jacques, le chef opérateur, on s'est beaucoup posé la question déjà de comment filmer, où mettre sa caméra quand on filme des enfants. Ça peut paraître, en fait, être une question de base, mais c'est vrai que le réflexe serait, en fait, qu'on filme l'enfant à une certaine hauteur et que quand on filme les adultes, on les filme en contre-plongée, un peu comme le regard de l'enfant qui est toujours levé vers les adultes. Et je me suis dit non, il ne faut pas faire ça. Et je me suis dit que ce serait plus intéressant même de faire des contre-plongées, par exemple, sur les enfants. C'est-à-dire de les filmer pour que nous, on les regarde aussi un petit peu en levant les yeux. Donc ça, c'était sur la question du cadre, mais après, j'avais envie aussi que cette réalité sociale qui est dure et cette région qui est dure, on la filme et on la cadre aussi avec de la sensualité. Parce qu'il est question aussi d'éveil et d'un éveil sensuel aussi et physique. J'avais envie que quand même la caméra puisse traduire un petit peu aussi quelque chose de la sensation et d'une forme de sensualité. Et pour finir,
on avait des envies de couleurs, on était inspiré par des réalisateurs et un cinéma, par exemple, qui est un cinéma d'Andrea Arnold, par exemple, chez les Anglais. Ou moi, j'aime beaucoup aussi le cinéma de Kore-eda, qui filme aussi beaucoup les enfants. Donc, on a travaillé un petit peu avec ces influences-là. Allora, con il direttore della fotografia Jacques ci siamo molto interrogati su dove mettere la camera per, diciamo, decidere come andavano fatte le riprese, appunto dal punto di vista sempre del bambino. Alla fine abbiamo pensato di utilizzare anche dei controcampi dal basso che permettessero appunto di non essere l'adulto che guarda sempre dall'alto. E poi a livello di colori ci siamo un po' ispirati a della filmografia come quella di Arnold per anglosassoni, dove c'è appunto questa vivacità. Grazie mille, merci beaucoup. Merci a voi.